Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans sa zone là. À nous commence par un titre qui nous peut développer dans sa édition là. Vers mise sur pied d'une commission d'enquête pour enquête leur publication et diffusion d'une conversation téléphonique présumée lors d'un réseau sociaux, cabinet ministériel fin de cela co-azorti. Une émission politique pour commencer à diffuser le MBC à partir des 1er novembre jusqu'à les 9 novembre. Aujourd'hui, il y a une réunion d'information entre la direction MBC et les représentants des partis politiques et l'Alliance. L'Alliance, les peuples, fin fait des congrès hier soir dans Rosélec, dans Cadbonne. Premier ministre fin dénonce une campagne qu'il est qualifié de fausseté. L'Oban réseau sociaux, Pravin Kumar-Jognot dit qu'il a la population pour qu'on faire le bon choix les 10 novembre. Et que nouvelle déo dans Mozambique, Daniel Chapeau, candidat du parti au pouvoir, fin élu président avec 70,67% des bonnes votes. Cabinet ministériel fin donne ce laval pour qui ban disposition prend conformément à ban disposition de la loi, soit le Commissions of Inquiry Act pour création d'une commission d'enquête qui pour responsable enquête loin une question d'intérêt public, soit l'utilisation abusive présumée des ban outils de télécommunication et que la récente publication et que diffusion des ban conversations téléphoniques présumées. L'Oban réseau sociaux, sa commission d'enquête-là pour présider par un ancien juge et que pour une DXPA des vidéos, comment assécir. L'ICTA Pétenia rappelle à un opérateur télécommunication qui n'a un permis qui n'a pas pour gain droit en dehors de cette fonction enregistrer un message ou soit ben, les autres informations qui se tapent gain accès, c'est un délit. L'ICTA rappelle que la loi interdit à public écoute et que portage à ben, conversation à travers l'appareil de communication ou télécommunication. Selon ben, l'article 46 et 47 de l'Information and Communication Technologies Act, ça délit là qui passible d'un amende au moins 1 million roupies et une peine d'emprisonnement. Coup d'envoi des bannes première célébration nationale fête d'Ivali Azodi. Bannes célébration a fini organisée dans village Petit Raffré dans l'Hainaut. C'est à l'initiative Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation. Parmi bannes invités, Premier ministre Pravin Kumar Jagnauth et ce madame Kobita Jagnauth. Dans ce discours, Premier ministre fin affirmé qu'il peut toujours consolider l'unité et que l'harmonie dans le pays. Pravin Kumar Jagnauth fin cause aussi lors la technologie à côté Lydia qui n'a dimune peut mal servir et qui peut faire dito. À nous écoute un extrait de ce discours. Aujourd'hui, vous trouvez une dimune peut empoisonner, essaye empoisonner l'esprit de nos bons citoyens. Tout a été quelque chose peut fabriquer aujourd'hui. Et les malheureux qui, vous connaissez la technologie, ils font nous faire un grand avancement. La technologie, ils font nous progresser quand nous servons bien seulement. Mais quand nous mal servons, ils font nous beaucoup de dégâts. Et ils font nous beaucoup de tort. Et ça cause ça même qui, Romain, vous connaissez, ils montrent nous. Comment bien faire la distinction entre le bien et le mal? C'est nous devoir, c'est le devoir de chaque citoyen pour faire des sortes que le bien triomphe sur le mal. Dans le cadre élection générale les 10 novembre prochain, la MBC pour proposer à partir du 1er novembre ban political broadcast, soit ban émission politique, ban message à ban parti politique et alliance pour diffuser la télévision et la radio jusqu'à 9 novembre. Aujourd'hui, grand matin, il y a une réunion de MBC entre la direction et ban représentants des ban partis politiques et alliance. Il y a une session d'information et quelques questions pour assurer bon déroulement de sa processus enregistrement des bannes messages. Sa studio-là dans MBC, l'inparé pour faire enregistrement des bannes émissions politiques. Diffusion des bannes messages des bannes partis politiques et bannes l'Alliance pour commencer les 1er novembre jusqu'à les 9 novembre prochains.
La télévision, ben diffusion, fin programmé le MBCN et MBC Sat à partir 8h15 à soir, alors que le radio, pour faire ça, 6h30 tantôt, le Cool FM, Radio Mauritius, Radio Maurice et Tal FM. Pour assurer un déroulement fluide et transparent de l'enregistrement et que diffusion des sabans messages-là, une session d'information et que essence fin faire ça vendredi-là dans MBC. Ban représentant des ban parties qui présent, je fin pose ban question et je fin clarifier je ban doute. Nous avons une session de travail, que nous avons l'occasion de poser une question, éclaircir comment fin allouer le temps d'antenne et aussi au niveau de la sécurité des bandes d'enregistrement. Aujourd'hui, c'était la réunion d'explication qui fin très bien passée. Tout est clair et tout est transparent. Donc, je remercie la MBC et tout ce staff, bien sûr, parce que la population piatane pour connaître qui bande parti politique. On a besoin de tout comprendre, comment ça l'exercice là pour passer. Et je crois avec le kit que la MBC a préparé aussi pour tout ban politique, ban l'alliance, il est très clair de comment nous pouvons procéder. Nous avons un grand éclaircissement d'écouter M. Rama. Combien de gens passent devant l'antenne pour passer à la télé? Auparavant, nous avons 6 personnes, mais à ce moment-là, oui, ça pourrait se paraître 5 personnes ou 6 personnes. Same. Est-ce qu'il m'a gagné l'antenne pareil que ma tout ban parti politique, même traitement? Nous avons dit oui, M. Bloch, nous parcourons de sa faveur là. Ban parti ou soit ban alliance, bisin présente un minimum 6 candidats pour élection pour qu'ils soient capables éligibles à ban émission politique. Pour prochaine élection, 9 partis avec l'alliance peut remplir ban critères d'éligibilité. Temps d'antenne qui est alloué à chaque groupe livoyé selon différents critères. Combien de minutes de airtime dans radio et télévision les besoins gagnés? Je fais ça depuis l'élection 2005. C'est la MBC qui est responsable pour faire ça, mais je finis décidé pour employer un dimoun comme moi, comme un acteur, pour faire le calcul d'une manière indépendante. Ban parti ou alliance qui présente plus de candidats pour gagner plus d'airtime. Parmi ces candidats-là, c'est le nombre de députés sortants de l'Assemblée qui fait dissoudre avant l'élection-là. Nous compte, comment dire, un weight, un poids additionnel pour ça. Ça, l'exercice-là, il peut dérouler dans strict respect des bandes directives Independent Broadcasting Authority. Aujourd'hui, une réunion de bandes partis politiques pour qui vous êtes capable de prendre connaissance de bandes séjours, ces bandes conditions qui sont attachées avec ça. La réunion elle passe très bien et tient dans certaines bandes questions, par exemple, aux sécurité de l'enregistrement. Et comment le projet faciliter là. Donc, nous répondons à toutes les questions qui tiennent et vous pensez tous les partis politiques et alliances sont satisfaits avec cette explication là. MBC prêt pour finaliser le calendrier des enregistrements et aussi durée de diffusion qui peut allouer à chaque groupe politique. Toujours dans le cadre d'élection générale le 10 novembre, la commission électorale pour rappel public a une consigne stricte pour qui vous êtes capable de voter. Si vous êtes carte d'identité nationale ou soit vous êtes passeport qui peut accepter, aucune photocopie ou photo numérique ni un mobile ID pas pour valide, une disposition spéciale afin de les apprendre dans le National Identity Code Center dans Maurice et dans Rodrigue pour faciliter la procédure pour les gens qui peuvent faire des mots pour gagner cette carte d'identité. Pour être capable de voter dans l'élection générale, ça 10 novembre là, ou pour être présente à au bureau de vote, ou bien ou carte d'identité nationale, ou bien ou passeport. Commission électorale pour accepter ZIS N dans sa dépièce identité là. Il prend une disposition spéciale dans National Identity Code Centers, dans Maurice et dans Rodrigue, afin qu'il un citoyen capable de gagner cette carte d'identité plus vite possible. Tout bonne carte pour délivrer en 2-3 jours. Seulement 2 pièces d'identité qui pour accepter, pour venir voter, jouer élection. Ces 2 pièces d'identité sont la carte d'identité nationale et ban passeport. Photocopie carte d'identité, un scan ou bien une photo, une carte d'identité ou un téléphone portable, un mobile ID, un mémo de la police qui dit qu'il y a une PSI ou carte d'identité. Aucun de ces pièces là pas pour accepter. Moi, je peux même dire, pour que vous sachiez qu'ils ont gagné votre carte d'identité au plus tard le 8, vous allez voter safely, jouer élection. À soumettre cette demande d'application pour un nouveau code d'identité, remplacement de code d'identité, au plus tard le 4.
bureau électoral, il fait un arrangement spécial avec MNIC, que tu peux capable faire une application jusqu'à vendredi 8 novembre. Nous invitons Benjamin qui est bizarre remplace notre carte d'identité pour aller dans différents centres. Nous recommandons Benjamin de prendre précaution qu'il remplace notre carte d'identité le plus vite possible. Bureau MNIC dans Rosil, Flac et Port-Louis pour ouvrir entre 9h et 6h tantôt la semaine, entre 9h et 4h samedi et entre 9h et midi dimanche et conseil public. Dans Rodrigue, ban requête bisin faire dans bureau l'état civil dans Port-Mathirin. Retour au ban décision principale, cabinet ministériel, cabinet fin prend note qui a l'invitation commissaire électoral. La Commission de l'Union africaine, la Communauté de développement de l'Afrique australe et l'Organisation internationale de la francophonie pour déployer une mission d'observation électorale dans Maurice dans le cadre d'élections générales. Cabinet fin prend également note rapport Mauritius Meteorological Services concernant une prévision pour l'été 2024-2025 pour Maurice et Rodrigue. Une température pour légèrement supérieure à la normale avec la pluie dans la deuxième quinzaine décembre 2024. Station météo Vakuap prévoit entre 11 et 13 tempêtes et aussi une gros vague depuis janvier jusqu'à mars 2025 qui accompagnait des orages violents. Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth fin souligner que la population pour qu'on faire le bon choix pour élection les 10 à 20 prochains. Il tient à intervenir hier soir dans des congrès l'Alliance Les Peuples dans numéro 19, dans la place Edward 7 dans Rosil et dans numéro 18 dans la Sauce, 4 bornes. Premier ministre fin Révin Loban Mézier Fort dans manifeste électoral l'Alliance Les Peuples. Selon le Premier ministre, c'est une mesure pour bien-être de la population et pour continuer le développement socio-économique dans le pays. Pravin Kumar Jugnauth fin aussi dénonce ce qu'il qualifie comme une campagne de fausseté. L'Oban réseau sociaux, le Premier ministre dit qu'il y accorde même considération à chaque communauté. L'Alliance Les Peuples qui donne rendez-vous à ce 20 partisans dans la source 4 bornes. Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth fin participe dans sa congrès-là aux côtés trois candidats numéro 18, Xavier Luc Duval, Kavira Mano et Kshiam Kemloliva. Premier ministre fin révine le ban Mézier fort manifeste électoral l'Alliance Les Peuples, surtout Mézier qui concerne ban enfants de 0 à 18 ans. Enfants qu'on est aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il gagne 3 ans, il gagne 2500 roupies par mois. Nous n'allons plus loin. Quand il grandit, il arrive jusqu'à l'âge 10 ans, il gagne 2000 roupies par mois. Un jeune qui vient adulte, 18 ans, nous donne un one-off de 20 000 roupies. Et là, qui nous peut promettre tout dans le prochain mandat? Un enfant, quand il naît, jusqu'à ce qu'il gagne 18 ans, le gouvernement vous donne son parent 5 000 roupies par mois. Est-ce qu'il n'est pas un grand soulagement, ça? Et laisse-moi dire, pas juste pour les enfants qui sont nés, mais les enfants qui actuellement tombent dans sa catégorie l'âge-là. Zot pour gagner, zot parents pour gagner 5 000 roupies par mois. Allô, Xavier, bien fait un calcul. Quand vous compilez tout ça là, vous guettez la case côté de trois enfants, vous pouvez gagner 15 000 roupies par mois déjà. Est-ce que ça n'est pas un soulagement pour faire face à coup de la vie? Leader PMSD qui pour député Premier ministre d'un prochain gouvernement Pravin Kumar Jugnauth fin dire qu'il annonce les peuples et à l'écoute de la population et qu'il propose un programme électoral qui répond à cette attente. Un programme, c'est une affaire sérieuse, ça. Un programme, c'est une promesse. C'est une promesse que mon camarade Pravin dit, c'est une promesse
une parole donnée, une parole sacrée. Quand on n'est pas au cours du gouvernement depuis les élections. Et surtout, ce qui peut promettre, ce qui peut promettre, ce qui peut inscrire dans ce document qui nous a publié hier là, je dis comme ça avec fierté. Parce que je suis déjà ministre de l'intégration sociale. Moi, je suis le premier du monde ministre de l'intégration sociale. Je ne pas autant de vie. Ça programme, ça va mesure qui nous est proposée là pour éliminer la pauvreté dans l'île Maurice, dans les 5 aux 5 bananes. Dans place Édouard VII dans Rosil, Premier ministre est aux côtés d'un candidat Ivan Kolenda-Bellou, Fazil Adjoua Doriaou et Siti Naïdou. Pravin Koumoudjognet fin saluer mobilisation d'un partisan numéro 19. Premier ministre fin par ailleurs déplore ce qu'il qualifie de campagne de fausseté le ban réseaux sociaux. Nous pouvons montrer où qui différence est entre nous et ban là. Là, qu'ils ont pu faire, ou peut trouver nos social media. Vous pouvez trouver dans toute qualité publication, toute qualité allégation, peut faire, peut être là vous. Et ça fait me rappeler une petite chose. Vous rappelez, quand nous avons gagné l'élection, nous avons contesté, nous avons dit une coquin élection. Et vous connaissez ce qui est dangereux en complice là-dedans, vous trouvez un pli communal qui l'autre peut sortir. Et la cause, ça veut dire les peuples bizarres, intelligents. Les peuples, bizarre, n'a pas de tonne dans sa main de la trappe là. Et vous connaissez moi, mon cause moi, Pravin Jagnat, mon cause mon camarade dans le gouvernement. Je connais, je trouve, qui considération, tout le temps, nous finissons à toute communauté dans ce pays là. Parce que quand nous amène développement, ben, il est applicable pour toute communauté ça. Tout le monde peut bénéficier. La cause ça, je dis, n'a pas de tonne dans la trappe. N'a pas tombé dans une campagne malsaine. Premier ministre fin saluer confiance à Ivan Kolenda-Bellou dans l'Alliance Les Peuples. Leader mouvement libérateur dit qu'il est un habitant numéro 19 fin retrouve de dignité depuis fin 2014. Nous finis avec un engagement. D'abord pour élever dignité la jeunesse. Nous ici, militants, il gagne sur considération. Pendant tout ça banané depuis 2014. Mais nous continuons comme ça, nous en marche vers la victoire. Nous avons un grand travail pour nous faire en Astère avec les 10 novembre. Nous imaginons, nous pays. Tout ban les autres intervenants fin cause le riche bilan et ban engagement futur gouvernement Pravin Koumoudjognet. La suite de sa zone là après une page publicitaire. Vous avez travaillé dur pendant toutes ces années. Pour votre famille, pour vos enfants, c'est l'heure d'en profiter. Vous le méritez. Bénéficiez d'une retraite paisible avec Absa Bank. Avec Absa Pensional Savings, l'intérêt est payé chaque mois. Et en prime, un 13e mois d'intérêt. Absa Bank vous offre aussi d'autres avantages pour une retraite en toute sérénité. Visitez une branche APSA ou appelez sur le 402 000. Les grandes compétitions de football sur le pack New World Sport avec Mighty pour seulement 300 roupies par mois. Vous pouvez vous abonner de chez vous à travers votre télécommande ou sur le www.mighty.me.
Nouvelle déo dans Mozambique, Daniel Chapo, candidat du parti au pouvoir, fin élu président. Il fin gagne l'élection le 9 octobre dernier avec 70,67% des votes selon la commission électorale. Âgé de 47 ans, il peut prendre la tête du pays en janvier 2025. À nouveau un point, l'eau nouvelle étant à présent pour Maurice, un courant d'air humide pécia qui l'a l'eau nu région et qui pouvait graduellement instable à demain. Prévision pour prochain 24 heures pour une niaise et qu'à l'appli, principalement dans l'est, dans les sides et que l'eau plateau central, température minimale à pouvoir entre 17 et 19 degrés l'eau plateau central et entre 21 et 23 degrés dans la région côtière. Divan pour souffler depuis l'est à sud-est. À 25 km par heure avec un rafale 50 km par heure. Dans certains endroits, la mer peut mouver en des hauts récifs avec un vague jusqu'à 3 mètres, un sortie en haute mer et un lagon dans l'est et dans les sides. Je te déconseille marée haute à 21h52 et demain à 11h22. Marée basse demain, il pourra 4h34 dimanche. Soleil pour lever demain à 5h30. Madame, ici, nous finissons arrive à la fin de nos journaux. Merci au fin de suivre, à suivre Journal Télévisé, l'OCT30, l'OMBCN. Bonne soirée, l'OBANCHEN MBC.